Les industries créatives numériques, quels enjeux et comment l'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire, peut prendre sa part dans cette industrie? La question était au cœur d'une rencontre à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, initiée par Afro, VFX et la CGSI. Cette rencontre d'échange a vu la participation de références sud-africaines dans le domaine. Anja Semion nous commente le reportage de cette équipe. C'est un secteur qui génère des milliers de milliards de francs CFA, mais dans lequel l'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire, n'a pas encore toute sa place. Les industries créatives numériques, entendez le cinéma, les jeux vidéo, l'animation ou autres contenus créatifs. Pour que la Côte d'Ivoire soit une locomotive des pays qui font des industries créatives et lui permettre de se doter d'un plateau de tournage virtuel, les acteurs et experts se sont réunis pour discuter à l'initiative de la structure Afro-VFX et à la CGCI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Au-delà, l'objectif est de rechercher des collaborations avec des studios en Afrique capables de produire des films qui sortent de l'ordinaire. En termes de modèle, l'idée c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit capable de donner l'exemple à la sous-région en tant que terre capable d'attirer des tournages. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans les années 80 des films comme Les Bronzés qui se tournaient à Assigny, etc. Aujourd'hui, en termes de paysage urbain, en termes de paysage naturel, en termes de beauté de paysage, la faune, la flore, etc., la Côte d'Ivoire a tout à donner. À nous de nous structurer et écrire des histoires qui vont mettre ça en valeur. Sortons des salons, sortons des chambres et faisons en sorte que ce soit vu. Les gens ne savent pas le potentiel et aussi l'opportunité qui existe dans cette industrie. Donc j'aimerais vraiment bien, et ça c'est une de mes missions vraiment, de faire la promotion, ce qu'on peut faire dans cette industrie et comment ça veut et ça peut changer le paysage économique. L'initiative de Afro-VFX est l'illustration parfaite de l'engagement de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire dans les industries créatives numériques afin de faire du numérique une opportunité pour tous. Nous cherchons maintenant à aller vers d'autres segments d'activité porteurs. Et pour cela, c'est vrai, nous avons les capacités, nous avons les fondamentaux, mais encore faudrait-il que nous sachions vers où aller. Et aujourd'hui, cette rencontre avec ces éminentes personnalités des industries créatives qui sont africaines avant tout, nous ont permis d'avoir d'autres aperçus. On est en train de réfléchir à comment y aller. La rencontre sur les enjeux des industries créatives numériques se tient sur plusieurs jours à la CGCI pour permettre à tous de mieux cerner les contours de ce secteur, vecteur de richesse et de développement.